C'est grâce, hein, l'œil. Camarade en détresse. Salut à toi l'ami qui regarde ma vidéo. Du coup là il va bientôt être 9h. On a rendez-vous à 9h30 sur un étang privé. Donc on est pendant la fermeture. Donc je vous vois venir ceux qui vont me dire ouais, tu pêches pendant la fermeture, tu peux pas aller les effrayer. Et ben non. Si je peux, mais tu connais pas le milieu de l'étang, tu connais pas la population de brochets qu'il y a dans cet étang. Moi je connais le propriétaire il est au courant, donc j'ai tous les droits. Tous les droits. Et casser mon Balam 300. Donc je vais pêcher avec quand même. Ça va être un 2,45. Ça va être un 2,45 maintenant. Et puis on va voir si ça fait du poisson. Et puis voilà, on se retrouve par la suite de la vidéo si je fais du poisson. La journée elle se passe pas comme prévu. Je devais passer ma journée sur l'eau et bah du coup je me retrouve au bord de l'eau. Oh raté! Raté, raté avec mon Balam cassé! Non! C'est si triste! Non, c'est si triste! C'est si triste, non! Je l'ai vu attaquer. Allez, concentre-toi. Noupi, tu vas faire du poisson. J'aurais fait un poisson avec mon Balam pété. Il s'est pas accroché, donc s'il a faim, il va revenir. Petit mouvement et tu rentres. Super. Il avait faim lui. Du coup c'est le même, hein. Je pense que c'est le même. Donc, tant qu'il reste dans l'épuisette, il reste dans son mucus. Là on voit encore une argule. Il n'y a pas un monstre. Allez, il fait un peu moins de 60. Un peu moins de 60. Donc l'argule, je vais enlever ma caméra pour vous montrer ce que c'est. C'est un parasite externe. Parasite externe, où es-tu? Là, il y en a une qui s'est décrochée. Je vais m'approcher de celle-là, sur le blanc, on va bien le voir sur son ventre. Juste en dessous de la nageoire. Je pense qu'on la verra. C'est pas trop flou. En train de bouger en plus. On est sur un beau poisson quand même. Il s'est fait niaquer par je sais pas quoi. Et il y a quand même un beau poisson. Il saigne. Il doit avoir un parasite en lui. Dans lui, il doit avoir un parasite, le loulou. Là.
tout à l'heure. Voilà. Bon, je pense que je vais faire du poisson avec, mais c'est dans la zone là-bas parce que... Ah, ici il coule trop vite. Hein. Oh, raté. Il est derrière. Il m'a vu. Le leurre était neuf. Je l'ai vu, je l'ai vu. Oh oui, raté. Bah alors ? Poisson. Oh, j'ai galéré au départ. Un peu plus beau que l'autre. Oh, l'épuisette, ce qu'elle fait à chaque fois. Voilà. Ah oui, il est plus beau que l'autre. Alors. Ah, ils font tout ça. Ils font tout ça. Mais si ils savaient dans la merde que ça les met faire ça. Ils font pas ça. La journée. Il est midi et demi. On est sur un poisson de 70-80. Avec une truite jaune, un gros leurre qui fait que de couler. Lui, c'est pas, il s'arrête dans la couche d'eau, c'est, il arrête de couler quand il touche le fond carrément. Donc le brochet est là. Donc 70, 80. On va pas non plus dire 90. Des super couleurs, ils sont très pâles hein. dans cet étang. Je le vois bien comparé en dessous. Pas de parasites, un beau ventre. Des branchies bien rouges, c'est ce qu'il faut. Là, on voit, elles sont en train de capter l'oxygène. Super, un beau poisson, un très joli poisson, une belle dentition. Allez, je te remets dans l'épuisette, mon beau. Raté. Je suis pas sûr. C'était pas le sol du coup. Du coup, c'était pas le sol.
On est encore sur un beau pépère. Voilà, tout en douceur. Je savais que j'allais rater un poisson. Je la savais. Voilà, t'es lourd. Allez, je t'embarque, quoi, t'es gras. T'es très gras. Ah ouais, on a une belle femelle, je pense. Me voilà que j'ai chaud. Et bon, ce leurre-là, il marche plutôt pas mal. Le bord, pas abîmé du tout. Oh là là, oh, c'est le meilleur décrochage de ma vie. Trop bien. Toi, je t'ai pas abîmé. Alors là, on est sur poisson de 70 encore. Super, quoi. Super. Ah, il y a de l'argule. Il y a de l'argule. Bouge pas, bouge pas. Super. On est encore sur un beau poisson. On est sur un super fish. On a encore un beau fish. Super. Un peu de sang dans la bouche, mais ça va aller. Super couleur. Ça t'a pas tant fait mal que ça. Bon, nous voilà avec le spécimen. Donc maintenant la GoPro est étanche. Je vais changer mon leurre. C'est la deuxième fois que je fais un poisson avec. Je vais mettre le bataillon après. Essayer de changer un peu. Donc, j'ai eu le propriétaire de ton téléphone. Donc là on est encore sur un super joli poisson. Faut pas non plus raconter des bêtises, quoi. Là, il y a des plus actifs. Tu sais ce qui va arriver. Moi, je le sais aussi. Il va arriver. Voilà. Ouais. Là, ce qui va se passer, c'est que j'ai repéré le brochet de 90 que je vais faire juste après, derrière le bataillon à 2 mètres du bord. Au moment où je baisse ma caméra, c'est parce que le brochet était vraiment collé à mon bataillon et que je savais qu'il allait attaquer. Oh, je l'ai vu juste derrière. Je l'ai vu juste derrière. Attendons. En plus, l'eau elle est trop claire, c'est trop bien. Tiens, je peux te passer mon bigot. Je vais pas faire chier les nids du coup. Il est sur le... Ouais. Les amis, on est sur un poisson approximatif 90. 90. Ah, il y a un beau chat. Hein? Ouais. Yo les gars, on est sur la
la release du brochette 90. Je sais pas si on te verra avec Urvan, hein. Urvan il essaye de pêcher du fish encore. Il est dans l'épuisette. Je sais pas si on voit, mais on va voir. Donc là il est bien, là il s'oxygène. Franchement ça a l'air d'aller. J'espère que je vais faire une bête de vidéo. Il n'y a pas trop l'air d'avoir de... J'ai pas envie de me décaler. Pour... Oh les bottes elles sont trop courtes. Je vais remplir les bottes pour la release du fish. Ah, je suis en train de tout... Il va se casser la gueule le mec. Putain, je serai en wader, ce serait mieux. Est-ce que je peux pas me décaler? Bon. Il est relâché juste là où il a été pêché. Je suis avec 4 amis à moi là. C'est un petit concours. Du coup, tu sais que Mathias, il a dit qu'on avait 2 points. Hein. Ouais. Bon, je l'ai un peu... à moucher ici, mais super, il y a un beau fish 90. C'est grâce, hein. Là, il y a là, ça a mangé. Là. On voit qu'il veut repartir. Là, tu sais quoi, tu vas repartir, mon loup. Justement, beau pike. Ah, et Sox Lucius, je t'adore. Allez, je mets la caméra sous l'eau. Je suis en train de lui enlever tout le mucus, c'est nickel. Putain, mais par contre, c'est trop chelou. C'est trop difficile de. Comment veux-tu ne pas péter une cam ici, toi? Bah là, en plus, on a la 3, c'est bon ça. Oh oui, putain, j'ai décroché! Putain! Non, 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 il s'est barré. Putain, c'est celui que j'avais décroché, ça se trouve. Putain, le bataillon, il fait du poisson. Je sais pas si c'était. Oh, j'ai fait une marche. Je sais pas si t'es en caméra ça, mais... Ah, il était pas maîtré, hein, il faisait 50, 60, mais 70... Mais celui que j'ai loupé, de toute façon, c'est peut-être sûr. 70. C'est forcément celui que j'ai loupé. Est-ce qu'il a encore faim? Peut-être c'est un abruti, il a pas capté qu'on était là.